انت في السنة الاولى بكالوريا وهذا العام ان شاء الله عندك الجهوي اذا هذا الفيديو درناه لك خصيصا باش تشوف المعلومات ديالك وتأكد من الاجوبة اللي غادي تعطينا في هذا الكويز اذا هذا الكويز ان شاء الله تهم لابوطة ميغفاي لو شابيتر 1 عندنا عشرين سؤال بعشرين نقطة Nous brouillons la de la vidéo. Écrivez-nous n'importe quoi. Je veux faire le quiz. Il y a 20 variantes. Et à la base, nous allons commencer par la première question. De quoi souffre le narrateur adulte Alors Galina. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sous les marches, sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais. Moi, je ne dors pas. C'est le narrateur adulte qui parle de quoi souffre-t-il La misère, la solitude, la peur ou la maladie Cinq secondes. Et la bonne réponse bien sûr c'est la solitude le narrateur souffre de la solitude j'en sens tout le poids deuxième question trouver la phrase qui n'est pas correcte donc nous avons quatre informations trois sont correctes une n'est pas correcte sa famille habitait davchouéfa sa famille occupait le deuxième étage. 3. Kinza, la voyante, occupait le rez-de-chaussée. La dernière, les fêtes de Kinza l'égayait. Quelle est alors la bonne réponse? Top, chrono, 5 secondes. Eh oui, vous avez raison de dire que. La phrase qui n'est pas correcte, c'est le fait de Knza l'égayer absolument pas. Donc c'est la phrase qui n'est pas correcte. Troisième question, pourquoi le narrateur voulait-il attraper un moineau Donc le narrateur enfant voulait attraper un moineau. Pourquoi Est-ce que c'est pour le manger Est-ce que c'est pour en faire un compagnon, son compagnon, ou bien pour le donner à son chat ou bien pour le vendre. Top Chrono. Eh oui, bravo, votre réponse est correcte. C'est pour en faire son compagnon. Donc, le narrateur voulait attraper un moineau juste. Pour le considérer comme un ami, son compagnon. Question 4. Le narrateur éprouve pour Zineb, la fille des voisins, est-ce que c'est de l'amour, de la haine, du respect ou bien de l'affinité Quelle est, à votre avis, la bonne réponse Quel est le sentiment du narrateur envers Zineb, la fille des voisins Elle n'a que sept ans. Top chrono. Bien sûr, le narrateur déteste Zineb, donc c'est le sentiment de la haine. Il déteste Zineb. Parmi les personnages que le narrateur déteste, il y a Zineb, il y a aussi l'Elisha. Et il y a aussi Abdelrahman le coiffeur. Question 5. À quoi compare-t-il la mémoire d'un enfant de 6 ans À quoi compare-t-il la mémoire d'un enfant de 6 ans Est-ce que c'est à une plante, à une roue, à un tableau ou bien à une cire fraîche Quelle est la bonne réponse 5 secondes. Voilà, la bonne réponse bien sûr, c'était une cire fraîche. Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y si gravaient en images ineffaçables. Question 6. Le narrateur n'avait pas d'amis car Alors là, on cherche la cause. Pourquoi le narrateur n'avait pas d'amis Est-ce que parce que est-ce que c'est parce qu'il était farouche Alors farouche, ça veut dire méchant. Est-ce que c'est parce qu'il voulait imiter, ou il aimait imiter, ou bien est-ce qu'il est-ce que c'est parce qu'il avait un penchant pour le rêve, ou bien est-ce que c'est parce qu'il était un enfant unique? Quelle est la cause de ce sentiment euh, pour, euh, la cause de l'absence d'amis pour le narrateur? Top chrono. Bien sûr, le narrateur n'avait pas d'enfant car il était différent des autres. Il avait un penchant pour le rêve. Il aimait rêver. Question 6 et 7. Pourquoi le narrateur a cessé d'aller au bain mort depuis son enfance? Donc, le narrateur adulte avoue qu'il n'a jamais remis les pieds dans un bain mort. Pourquoi? Est-ce que c'est car il y avait beaucoup d'enfants? ou bien à cause de l'appréhension la, la, et du sentiment de malaise, ou bien car le frile le lui avait interdit, ou bien car sa mère refusait de l'y emmener. Quelle est la bonne réponse Cinq secondes. Très, très bien. Vous avez donné la bonne réponse, et la bonne réponse, c'est à cause de l'appréhension et du sentiment de malaise. Donc, si Mohamed était un enfant timide, il n'a jamais été à l'aise dans le bain mort. Question 8. Par quoi le narrateur enfant se distinguait des autres Alors, qu'est-ce qui distinguait le narrateur des enfants ou bien des autres enfants Est-ce qu'il se distingue par son intelligence par le rêve, par la richesse ou bien par l'assiduité. Top Chrono. Tout à fait, donc le narrateur se distinguait par le rêve. Nous habitions des univers différents. Question 9. Le narrateur fréquente L'école. Est-ce qu'il fréquente l'école des ingénieurs, ingénieurs l'école d'art, l'école coranique ou bien l'école sportive? Cinq secondes. Effectivement, la réponse est claire ici. Bien sûr, c'est l'école coranique, c'est le MCID. Dix. À quoi compare-t-il le bain mort au paradis, à l'enfer, à un jardin, à un hôpital Quelle est la bonne réponse Chrono. Eh oui, pour le narrateur, le bain mort, c'était l'enfer. Bien sûr, la bonne réponse, c'est l'enfer. 11. D'après le narrateur, le bain mort permet de... Alors, quels sont les avantages du bain mort pour les femmes? Trouver celle qui ne convient pas. Donc, le bain mort présente ou bien rend quelques services aux femmes. Une seule n'est pas bonne ici. Alors, se purifier, se laver. Se tenir informé, faire des connaissances, vendre et acheter. Top chrono. C'est vrai. Alors, vendre et acheter n'est pas cité dans l'œuvre. Ce n'est pas l'un des avantages du bain mort pour les femmes, d'après Ahmed Sfewi. 12. Lelezouvida était une excellente comédienne car elle connaissait tout le monde, elle parlait beaucoup, elle avait une belle voix ou bien elle passait aisément du rire aux larmes. Quelle est la bonne réponse? Chrono. Alors, pour le narrateur, sa mère était une excellente comédienne car elle passait facilement, aisément, du rire en larmes. Question 13. se dispute avec Kinza, Fatma, Rahma ou bien Risha. dans le chapitre 1, l'Elezoubida va se disputer avec une voisine. Laquelle je crois que vous avez trouvé la réponse parce que c'est très facile. Bien sûr, c'est la voisine Rahma, la voisine du premier étage. 14. Quelle était la cause de cette dispute? La voisine a maltraité le narrateur. Rahma a volé la vaisselle de sa voisine. La voisine n'a pas respecté son jour de lessive. L'El a donné un cadeau à Sidi Mohamed. Quelle est la bonne réponse Tout à fait, vous avez raison. Donc, l'El Ahma n'a pas respecté son jour de lessive. L'El Zoubida devait laver son linge le lundi, mais Rahman n'a pas, pas respecté ce jour-là. 15. Cette dispute montre que Zoubida est une femme courtoise, généreuse, polie, querelleuse. Top chrono. Et la bonne réponse, vous l'avez peut-être trouvée, c'est une femme querelleuse qui se dispute beaucoup. Alors son mari lui a dit, avec qui t'es-tu encore disputée 16. Le narrateur s'est évanoui à cause de la dispute de sa mère avec son père, la dispute de sa mère avec la voisine, la, sa dispute avec Zineb, la fille des voisins ou bien la dispute de son père avec un courtier. Top, chrono. Vous avez, vous aussi, la bonne réponse, parce que la bonne réponse, c'est la dispute de sa mère avec la voisine, Ahmad, bien sûr. Euh, chaque fois que le narrateur se sent seul et triste, il s'endort, cherche sa boîte, boude ou bien va à l'école. Quel est le comportement du narrateur chaque fois qu'il est seul et triste? Top chrono. Eh oui, la bonne réponse, c'est ça. Il cherche sa boîte à merveille, là où il cache des objets ordinaires qu'il considère comme un trésor. 18. Où se trouve le MCID? Est-ce qu'il se trouve au quartier Sfa, à Dev à Dev ou bien au quartier juif? Top chrono. Bravo, vous l'avez trouvé, c'est Deb Nouella. Donc, le MSID, l'école coranique se trouve à Deb et Dans le même mort, le narrateur se sentait plus seul que jamais, très à l'aise, fatigué et malade, très content en compagnie de sa mère. Quelle est la bonne réponse à votre avis Eh oui, c'est tout à fait vrai. On l'a dans le texte: Je me sentais plus seul que jamais, donc je me sentais plus seul que jamais. C'est la et on passe à la dernière, à la dernière question. C'est la question 20. Le narrateur a choisi l'âge de 6 ans car la mémoire est pleine, la mémoire est faible, la mémoire ne retient rien, la mémoire est infaillible. Top chrono. Eh oui, la seule bonne réponse c'est la mémoire est infaillible. Voilà, c'était la dernière question. Si vous avez aimé ce genre de travail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de laisser dans le commentaire la note que vous avez eue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Au revoir et à la prochaine.